Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose de vous lire la suite de la nouvelle Inconnue. Si vous n'avez pas écouté le début, commencez d'abord par la vidéo précédente et je vous retrouve ici tout de suite après. Inconnue, suite. Écrit et lu par Séverine Mazière. Je résous d'aller à la police. Elle n'est pas très loin. En 20 minutes à pied, j'y serai. Cet homme doit sortir de chez moi. Je marche d'un pas nerveux, rapide. Je finis par courir dans la rue, jusqu'au poste. J'arrive en sueur dans le hall, à moitié échevelé, plus affolé que jamais. Un policier me voit tout de suite et s'approche, l'air inquiet. « Je peux vous aider, madame ?» Je voudrais reprendre mon souffle, mais j'ai du mal à me calmer. Tout s'embrouille dans mon esprit. « Il y a un homme chez moi !» C'est tout ce que je parviens à dire. Le policier a fait signe à un collègue qui m'apporte une chaise et on me fait asseoir. Calmez-vous, madame. Il y a un homme chez vous? J'arrive seulement à secouer la tête en signe d'acquiescement. Que fait-il chez vous? C'est un cambrioleur? Je sais pas. Le policier ne comprend pas ce que je veux lui dire. Un homme est chez moi, dans ma maison. J'ai perdu mes clés et il en a profité pour pénétrer chez moi. Mais rien ne sort. J'ai envie de pleurer. Vous avez été agressée, madame? Vous allez bien? Ça va. J'essaye de respirer calmement, à fond, et je finis par tout raconter au policier. Un homme s'est introduit chez moi pendant que je déposais ma fille à l'école. J'ai perdu mes clés et il en a sûrement profité. Comme j'ai emménagé il y a peu, je ne connais pas encore tous les voisins. Après 15 minutes d'explication, il me propose de me raccompagner chez moi. Il pense visiblement qu'il y a un malentendu et que j'ai pu me tromper. Vous avez déménagé il y a peu de temps et ce quartier est un vrai labyrinthe. Beaucoup de maisons se ressemblent, vous savez. Peu importe ce qu'il pense, je m'en fiche. Il vient avec moi et pourra mettre cet homme dehors. C'est tout ce qui compte pour moi à cet instant. J'espère qu'il ne se sera pas fait la malle avec mes meubles et mes affaires. À mon avis, il aura déguerpi quand on va arriver et on trouvera le serrurier en train de m'attendre. Arrivé sur place, je descends de la voiture de police. C'est bien ici, vous êtes sûre? Certaine. Un homme sort alors de la maison. Le même homme, brandissant un papier ressemblant à une facture à la main. « Ah, vous tombez bien! Cette femme est venue m'agresser chez moi tout à l'heure. Et elle a fait venir un serrurier. J'ai dû lui payer le déplacement. »« Quoi? C'est vous qui êtes chez moi ?» Le policier nous interrompt. Il se place entre nous. La mamie est sortie elle aussi de chez elle. Elle ouvre sa boîte aux lettres et prend son courrier. Elle veut visiblement voir ce qui se passe. « Madame, êtes-vous sûre d'être à la bonne adresse ?» Quelle question! Bien sûr, cet homme est chez moi. Ce que je ne comprends pas, c'est son acharnement à dire qu'il est chez lui. C'est un complot, une caméra cachée. Ce n'est ni mon anniversaire ni ma fête, pourtant. Oui, j'en suis sûre. J'habite ici, c'est le 46 rue de Provence. Je suis Madame Fontaine, Delphine. Nous avons acheté cette maison avec mon mari Guillaume Fontaine et j'ai emménagé avec ma fille, Louise, il y a un mois. Mon mari doit nous rejoindre dans 3 mois, quand il aura eu sa mutation. C'est chez moi ici et je peux le prouver. Dans cette maison, il y a 3 chambres. L'une est celle de ma fille et il y a un lit avec un couvre-lit rose. Au mur, il y a une frise avec des barbes à papa. Dans un coin du salon, il y a un carton non déballé qui contient des DVD. Dans le bureau, il y en a plusieurs autres avec de la paperasse non rangée dedans. Et dans la cuisine, le lustre est mal accroché. J'ai pas réussi à le mettre correctement. Dans la salle de bain, il y a du carrelage orange. Je vous jure que c'est chez moi ici. Je ne sais pas qui est ce monsieur ni comment il a pu rentrer chez moi, mais il n'est pas chez lui. Si c'est une blague, elle a assez duré. J'ai débité tout ça d'un seul trait, et j'ai dû sembler persuasive, car l'homme en face de moi reste ahuri et ne dit plus rien. Le policier aussi paraît dubitatif et plutôt convaincu. Il demande à l'homme la possibilité d'entrer et de vérifier mes allégations. L'homme a retrouvé la parole. « Faites, vous verrez qu'elle est complètement folle et raconte n'importe quoi !» Heurté par ces mots, je ne dis rien cependant. Dans quelques minutes, il sera dehors et je serai chez moi. Cela ne fait aucun doute dans mon esprit, et je compte bien porter plainte. Il se croit où, celui-là? Nous entrons. L'homme proteste, mais faiblement. Il sait qu'il a perdu la partie. Stupéfaction. Je suis effarée. C'est ma maison. Mais ce n'est pas ma maison. Il a changé les meubles. Il a raccroché le lustre de la cuisine. Et la chambre de ma fille, où est la frise? De la peinture blanche à la place. Il a repeint en blanc.
Comment c'est possible? J'aperçois seulement un peu de carrelage orange dans la salle de bain par la porte restée entrouverte. Je me retourne vers cet homme qui devient abject à mes yeux. Il sourit vaguement, l'air satisfait. La colère monte en moi, se transforme en rage. « Mon Dieu, qu'avez-vous fait chez moi ?» Je saisis le col de ce type et je commence à le secouer. Je suis épouvantée, terrifiée, c'est un complot. Mais pourquoi chez moi ?« Qu'avez-vous fait de mes affaires ?» Je hurle, je deviens hystérique. Le policier m'attrape les bras, m'en serre et me maîtrise. Je continue de hurler. « Je suis chez moi ici, sortez de chez moi !»« Madame, calmez-vous ou je vous arrête !»« Sortez cette folle de chez moi, je vais porter plainte !» Le policier me maintient fermement. J'essaye de me calmer, de raisonner, de trouver des réponses, mais il commence à s'excuser auprès de l'homme pour le dérangement et commence à m'emmener dehors. Je vous jure que c'est ma maison. C'est un coup monté. Je ne sais pas comment il a fait. Vous avez vu la salle de bain, elle est orange, comme j'avais dit. Simple hasard, madame. Orange, je ne mens pas. Je réfléchis à toute vitesse. Comment lui prouver que c'est chez moi? Je ne me débats plus. Il est plus fort que moi de toute façon. Il relâche son étreinte et nous voilà de nouveau sur le trottoir. La mamie est toujours dehors et fait semblant de balayer devant sa maison. Écoutez, ma fille est à l'école, à 2 rues d'ici. Nous y serons en 5 minutes. Allons voir la maîtresse. Elle vous dira que je suis sa mère. J'ai rempli les papiers et vous aurez mon adresse. On peut appeler l'école aussi. J'ai mon téléphone. Je cherche machinalement mon téléphone dans la poche arrière de mon pantalon. Non ! J'ai dû le perdre aussi. Soit je l'ai laissé à la gendarmerie tout à l'heure, soit je l'ai perdu en courant. De toute façon, il refuse tout net. Me dit que je lui ai déjà assez fait perdre de temps et que si je continue, il sera obligé de m'emmener au poste. Je ne comprends rien à cette histoire. Cette maison, c'est chez moi, vous entendez ? Chez moi ! Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas comment il a fait pour repeindre la chambre. Mais la salle de bain est orange ! C'est ma maison, avec d'autres meubles. Il a dû tout changer dès que je suis sortie. Il doit avoir des complices. C'est une énorme supercherie, un complot. Madame, ça suffit. Je vous emmène au poste. J'ai regardé et votre nom n'est même pas sur la boîte aux lettres. Nous allons tirer cette affaire au clair. Je vais prendre votre déposition, monter à l'arrière. Il me tient la porte ouverte. J'hésite. Mais je ne sais pas où aller ni quoi faire. Je suis démunie, épuisée. J'ai mal à la tête. Je monte. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire de Delphine au poste de police et savoir si c'est elle qui est folle, si c'est un voleur ou s'il y a autre chose, eh bien je vous propose d'écouter la suite. Abonnez-vous, à très vite!